Ok, Rachine. Voilà, merci aux fans qui sont venus hier. Le spectacle était très cool. Voilà. Désolé aussi à tous ceux qui sont allés à Hypnotique et qui ont vu que c'était fermé. C'est parce qu'on était au concert. Tout le personnel, mille excuses. Mais ce soir, on fait la fête ensemble. Oui, soyez là à partir de 22 h comme d'hab. Je serai présent. Venez, on va se mettre bien. Voilà. Le danger en retard! Le danger en retard, là! Libérez route là! Je lui appelle une fois! Je lui appelle! Man, il voulait une caisse de poney fumé, puis ça a touché là. Damn, nigga! Nigga, le Yoro vient de découler, le Mogol, le Yoro a. Yeah! Fuck! On ne pas déraper, je ne pas chercher. Vous savez, pas loin, les papiers. Voilà, là, ils l'ont mis en PLS. Là, il est en PLS, c'est bon. Ça, on n'est pas encore arrivé. Eh Dieu, Seigneur. Je ne crois pas du tout. Amen, parce que Yoko vient d'arriver. Eh hey. On a le Daichi qui a fait un accident.
C'est... voici l'état de sa moto. Et le voici lui-même qui est couché là-bas. C'est Arafat. C'est lui-même qui est couché là-bas, au fond, là-bas. C'est... un gros choc. Très, très, très gros choc. Moi, j'ai assisté au choc en direct, même. Non, non, je ne filme pas lui. Je suis en train de faire mon direct. Je peux pas faire mon direct. C'est... on appelle les pompiers, mais je sais pas, il n'y a pas les pompiers pour le moment. Les pompiers sont censés arriver, mais bon, il n'y a rien encore. Il n'y a rien, 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 rien. Est-ce que ils ont... Non, ils peuvent pas le soulever, ils vont pas le soulever quand même. Champion, faut tomber là-bas comme ça. Pousse comme ça. Il y a une moto qui est là. Là tu as... Mais vous allez essayer d'appeler au moins. Parce que le souffler, souffler, c'est bien, mais tiens. Donc voilà. Donc les gens sont autour de lui. Bon, comment il va ça, je sais pas. Je sais juste que le gars, il est couché. Je sais juste qu'il est couché et que c'est pas... Bon, enfin, on essaie de pas filmer parce que je me dis, en fait, fallait juste montrer en fait la situation. Les gars sont en train de le toucher, alors quelque part, ça n'a même pas de sens de le toucher. C'est quelqu'un qui est malade. S'il n'y a pas personne qui a un truc pour pouvoir le soigner, faut éviter de le toucher. Mais bon, eux tous, ils sont dessus, quoi. Ils sont tous dessus. Et voilà, ça crée un bouchon monstre. C'est sur la voie de la 7e vers le truc de la Chine là. C'est horrible, horrible, horrible. Horrible, horrible, horrible. Et mais Sami est où encore? Mais ils vont pas venir ici. Mais on a essayé déjà d'appeler, on essaie, ça passe pas. J'ai un deuxième téléphone, j'essaie moi-même. Mais non, on peut pas le déplacer comme ça, on va pas le déplacer, tu sais pas ce qu'il a. Tu peux pas le mettre dans voiture. Tu peux pas le mettre dans voiture. Samu, c'est 115, on fait 115. Voilà, il y a un autre qui va aller faire je sais pas quoi encore là-bas. Alors qu'on essaie tous d'essayer de trouver des solutions, il y a un qui est en train de jouer aux oiseaux encore. Mais ils vont essayer de le déplacer, pourquoi? Oh putain! Pourquoi? Allô? Mais moi je suis en train de me filmer et lui il est en train de raconter sa vie. Allô? Mais laissez-le putain, mais laissez-le quoi! Merde! Putain ces gens, mais les pompiers aussi ça sonne, ça décroche pas. Le père, le prince qui peut décaler, qu'est-ce que tu nous fais là? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur, je suis à la pharmacie de la 7e tranche. Il y a eu un accident en fait. Un accident de moto avec une voiture. Devant Paris Baguette. Devant Paris Baguette. À côté de la pharmacie 7e tranche. Franchement, il y a urgence. Il y a quelqu'un qui est couché sur le sol. Et faut vraiment, vraiment, vraiment faire vite. Faut vraiment faire vite. Allô? D'accord, ok, les secours arrivent. Ok, d'accord. Merci.
Bien, bah moi je vais terminer mon direct parce que je sais pas quoi dire. C'est, il y a de l'essence ici, il faut pas rester non plus à côté. Hein. Y a pas. En tout cas, une chose est certaine, c'est que il a recommencé, il a commencé à faire des trucs avec la moto. Il a croisé un véhicule et c'est avec ce véhicule qu'il y a eu accident en fait. Donc on a entendu un bruit sourd, un gros boum. Et bon, moi j'ai vu un peu le bruit, j'ai vu un peu le choc, puisque j'étais assis en train de regarder en fait ce qu'il faisait. Et je me disais que c'était pas possible en fait. Je me disais que c'était vraiment pas possible. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce que moi j'ai assisté à 2-3 fois ces trucs qu'il faisait. Ça fait bizarre. Parce que même si on dit, c'est vrai qu'on peut commencer à parler, on peut commencer à crier, on peut commencer à dire des choses, mais ça reste toujours un homme et il faut déjà commencer à prier pour que les choses se passent bien et qu'il puisse s'en sortir, quoi. C'est vraiment ça le plus important. Voilà, c'est un gros, 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 gros choc. C'est un gros choc. C'est voilà, c'est sur comment ça s'appelle ? Police secours. On a déjà appelé. J'ai appelé plusieurs fois les pompiers. Ils ont dit qu'ils arrivent. Je sais pas. Donc moi, je peux pas faire autrement. Tout le monde ici a son téléphone. Tout le monde a essayé d'appeler. Et c'est pas évident. C'est vraiment, vraiment pas évident. C'est surtout de le voir couché en fait. Et bon, il respire. Ça, c'est déjà ça. Il respire, c'est clair. Mais ce qui m'énerve, c'est de savoir que les pompiers n'arrivent pas vite, quoi, en sachant qu'ils sont même pas. Enfin, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Ça fait un effet très très bizarre et c'est tout le monde qui arrive, tout le monde qui fait son speech, tout le monde qui fait sa manière de vouloir l'aider. Et bref, c'est pas évident. C'est pas évident. Il est couché encore sur le sol. Les pompiers sont pas encore arrivés. J'espère en tout cas qu'avant la fin de ce direct, les pompiers seront là. Mais on m'a dit qu'il y a un poste du SAMU qui est pas loin du 22e. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais c'est bizarre. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Voilà. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Je suis parti de là-bas parce que c'est le choc avec la moto. La moto n'est pas broyée totalement. Mais il y a un choc en fait qui fait que c'est... Bah déjà, on sent. On sent que la chose, comment ça s'appelle ? On sent le carburant, donc il vaut mieux s'éloigner en fait du véhicule. Mais tout le monde est autour, voilà, je vais vous montrer, tout le monde est autour, en ne sachant pas en fait que derrière, ce sont des risques même qu'ils prennent en fait. Ils prennent plus de risques qu'autre chose. Bon, moi j'ai pas envie, bon, pour ceux qui posent des questions sur le truc, j'ai pas envie. La police n'est pas encore arrivée, les pompiers sont pas encore arrivés, on a tous appelé, on a tout fait. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. On ne peut pas déplacer le blessé pendant qu'il est couché au sol. Ça, c'est pas possible. Le faire, c'est carrément manquer de jugeote, en tout cas. Ses amis qui sont autour de lui en train de le souffler pour lui donner un peu plus d'air, franchement, ça fait un choc. C'est trop bizarre. C'est trop, trop bizarre. Et c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. C'est surtout ce bruit-là, et quelques minutes plus tôt, il était juste à côté de moi. Enfin, j'ai pas parlé avec lui, mais juste à côté, en train de discuter. Il venait juste, il a pris sa moto, il est parti, et c'est tout. Et puis, bah voilà, 2 minutes après. Moi, ce qui me... Enfin, bref, je vais arrêter parce que ça... Oui, on a déjà appelé ça. Moi, j'ai appelé les numéros, tous les numéros. Je suis allé même sur police secours pour essayer de voir les numéros qu'il faut appeler. On a fait tous les numéros, tous ceux qui sont autour ont essayé d'appeler. Bon, il y a certains qui sont des badauds, mais tout le monde a essayé d'appeler. C'est pas qu'on ne veut pas le faire, c'est juste que c'est un peu... C'est, oui, pour ceux qui demandent, bah, c'est un chanteur, en tout cas, c'est quelqu'un qui est bien connu. C'est tout ce que je peux dire, parce que j'avais déjà fait le direct en expliquant. Mais c'est vraiment, 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 vraiment embêtant, parce que c'est... Bref. Donc, ouais, Marianne, c'est lui, Marianne, c'est lui. Et je sais pas, les secours mettent combien de temps pour arriver jusqu'ici ? Combien de temps ils mettent pour arriver jusqu'ici ? C'est la question que je me pose, en fait.
combien de temps en 20 mètres pour arriver jusqu'ici? C'est pas comme si c'était, je regarde, il est 23h, c'est pas comme s'il y avait des bouchons de partout. C'est pas évident, c'est vraiment pas évident, évident du tout. C'est pas évident. Il y a un choc, les gens essaient de s'organiser pour pouvoir l'envoyer à l'hôpital. Les gens essaient de trucs, mais bon, c'est... Voilà. Bon, moi, je vais terminer mon direct. Ce que je pourrais dire, c'est tout le monde prie pour lui. Et puis, voilà. Tout le monde prie pour lui, tout le monde prie pour que derrière, il s'en sorte vivant. Et en tout cas, il respirait encore jusqu'à présent. Donc, voilà. On va vraiment espérer que les choses se fassent. Je ne vais pas conserver le direct, c'était juste pour permettre à tout le monde enfin, je sais pas. C'est ce qui m'a semblé un peu truc de faire, parce que sur le champ, en fait, on a tous appelé la police, on a tous appelé les pompiers. Moi, j'ai encore le numéro des pompiers encore sur mon deuxième téléphone que j'ai pris pour appeler. Mais bon, il y a toujours personne, quoi. Il y a personne. J'entends pas de sirène quelque part. J'entends rien. Il y a même pas la police pour venir sécuriser les lieux. Enfin bref. Donc je vais vous laisser et puis je vous dis en tout cas, bah portez-le en prière et puis voilà. Donc du coup, tout l'espace est vidé. Ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Parce qu'il y a quelques minutes, il était garé là, cet instant précis, là, il n'y a même pas 15-20 minutes, il était garé là, en train de s'amuser. Et puis, bah, on se retrouve avec ça, quoi. C'est effarant, c'est... Bref. En tout cas, portons-le tous en prière, parce que c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est... Ici. Merci à toute la Côte d'Ivoire, merci à toute l'Afrique, merci à tous ceux qui m'ont soutenu, Papa Ahmed Bakayoko. Je m'en fous de l'argent, ça c'est le plus important, c'est le travail. Merci, merci, merci à tout le monde, merci. Merci à mes frères, je vous déclare. Je suis nominé, j'ai été nominé, j'ai eu les prix. Tout ça c'est grâce à vous, c'est grâce à Dieu, merci. Thank God for my reefer.